GLP2, c'est des inhibiteurs de co-transporteur du sodium glucose type 2 qui vient s'enrichir dans son thérapeutique des diabètes du type 3. Monsieur le professeur Bernadem, c'est professeur de néphrologie au CHU de Nolange, enseignant à la faculté de médecine de pharmacie de Casablanca, président de la Société marocaine de l'hypertension artérielle, de même qu'il est membre du comité scientifique de la Société française d'hypertension artérielle, président de la Société de néphrologie marocaine. Grand ami de l'ADN et donneur de l'ADN. Ça manque d'honneur de l'ADN. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette très agréable introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Je suis d'abord impressionné par le congrès, comment l'a évalué, la qualité de l'organisation, ça se voit. L'effort qui est fait, ça se voit. J'étais aussi impressionné en lisant le programme, et surtout le choix du thème, le parcours thérapeutique et le parcours de soins. C'est quelque chose, j'allais dire, tellement important que dans notre culture médicale, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on voit notre action ponctuelle au lieu de voir le parcours du patient. Cette vision, et je vous félicite vraiment pour ce choix-là. Il y a quelques mois, Fatiha Raji m'avait téléphoné pour que je parle avec le professeur Meunier, vous vous rendez compte, des inhibiteurs des SGLT2. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, parce que ces médicaments qui sont nouveaux n'existent pas encore au Maroc, donc on ne peut pas dire qu'on a de l'expérience. Donc il me disait, non, je veux que tu donnes ton avis de néphrologue. Et en fait, elle m'a permis de faire cette visite dans la physiologie rénale, de voir un peu la position de cette nouvelle classe thérapeutique, comment elle va agir, quel est finalement le rôle. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le rein nouveau invité, parce que finalement, pour la première fois qu'on me demande de parler d'équilibre glycémique, en tant que néphrologue, et donc je remercie Fatiha et les collègues des membres du bureau de l'ADN de m'avoir permis de faire cela. Alors la première chose, globalement pour un néophyte qui ne connaît pas très bien la diabétologie, et donc l'équilibre glycémique, il est l'objet d'une régulation hormonale stricte entre qui doit faire l'équilibre, tiens, ça remet comme l'a dit la demoiselle, il doit faire l'équilibre entre l'utilisation des sucres et la production des sucres. Vous avez l'axe hormonal, mais on voit aussi que le rein participe d'abord par la filtration de tout ce sucre, mais aussi par sa réabsorption. Et si on voit simplement dans l'utilisation des sucres, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert qui est extraordinaire, en postprandial, rien qu'en postprandial, vous voyez que déjà le rein, il consomme 15% du sucre en postprandial, j'allais dire, plus que tout le tube digestif. Et je rappelle que le rein ne pèse que 120 grammes. Et lorsque vous passez en poste absorptif, il consomme autant que toute la masse musculaire qui elle est à 15%, le rein est à 10%, et pourtant nous avons des kilos de muscles, nous n'avons que 120 grammes de rein. Ça veut dire que le rein, qui est un organe qui consomme énormément d'énergie, où il y a de très grands transferts, c'est un très grand consommateur d'énergie, donc il va consommer des sucres, donc il en a besoin. Et la deuxième, ce qui est très sympa, c'est en termes de production de sucre. Tout le monde sait que c'est le foie qui produit le sucre, soit par la néoglycogénèse, soit par la glycogénolyse. Mais en fait, le rein aussi produit même le quart du sucre de l'organisme. Et c'est par une néoglycogénèse purement rénale. Et c'est l'une des raisons pourquoi on a ces hypoglycémies qu'on voit en cas d'insuffisance rénale très avancée, parce que le rein ne produit pas assez de sucre et les besoins insuliniques sont amoindris. Et enfin, celle qu'on a tous lue en cours de physiologie, cette fameuse relation entre la filtration et la réabsorption. Et lorsque vous voyez ici, vous avez ici la masse de sucre qui soit filtrée ou réabsorbée, ici la glycémie. Et on sait que plus la glycémie elle monte, plus la masse de sucre qui est filtrée par le rein elle monte, c'est cette ligne là en pointillé. Et plus la masse réabsorbée par le rein, elle monte jusqu'à un certain point où la courbe va s'inverser, on va arriver à un plateau qu'on va appeler le Tmax, le taux maximal de réabsorption. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons un système de réabsorption saturable. Au départ,
il n'est pas saturé, il n'y aura pas de sucre dans les urines, mais au moment où il sera saturé, on va avoir une apparition de sucre dans les urines, la glucose urine, la fameuse glucose dont on parlait de Mendeley, et dès ça, on est arrivé à ce qu'on appelle au seuil d'excrétion, qui globalement est de 1,8 g par litre chez le sujet normal. Je vais revenir sur pourquoi j'insiste sur le normal. Cette réabsorption est le fait de deux transporteurs qu'on appelle le SGTN2, sodium-glucose, donc c'est un co-transporteur de sodium-glucose. Alors le premier, c'est le SGTN2, il est essentiellement dans la partie initiale du tube proximal et il est responsable de 90% de la réabsorption. Et le deuxième, le SGTN1, lui, on va trouver dans la partie terminale ou finale ou distale du tube proximal et il n'est responsable que de 10% de la réabsorption. Et à la fin, on aura zéro sucre. Finalement, notre système de réabsorption nous permet d'absorber tout le sucre. Rappelez-vous que le sang il est filtré plusieurs fois, plus de 20 fois si je me rappelle bien, par 24 heures. On a 180 litres de sang qui est filtré. Il ne faut pas qu'on perde ce sucre. Le rôle du rein est de le récupérer. Donc, c'est pour ça qu'on a, j'allais dire, ce mécanisme-là. Et si on fait des micropunctures à l'intérieur de cette tubule, et si c'est la concentration de sucre à l'intérieur du tubule rénal, vous voyez, et ça c'est la distance à partir du glomérule, ça, le SGTN2 agit à ce niveau-là, et vous avez toute cette aire sous la peau qui représente les 90%, et puis vous avez la deuxième partie avec le SGTN1. Comment ça fonctionne? Vous le connaissez très bien. Il y a au niveau apical, si on voit ici le SGTN2, au niveau apical, on a un cotransporteur qui transporte en même temps le sucre et le sel. Et l'énergie de transport, au fait, elle est donnée par la sodium-potassium ATPase macrocyclase, qui est responsable de la réabsorption du sodium, qui absorbe le sodium, sécrète le potassium en consommant de l'ATP et de l'énergie. C'est elle qui va donner l'énergie pour ce transporteur-là. Et puis, on a un canal à sucre qui est à la base. Ça, pour la SGTN2. Et la même chose pour le SGTN1. Je vais revenir sur ce point. Donc, les mécanismes sont les mêmes, sauf ici qu'on a une seule molécule sodium, ici deux. Le plus important, ce qu'on doit savoir, c'est que l'énergie est donnée par la sodium-potassium ATPase et que c'est un co-transport. On ne peut pas avoir le transport de sucre sans le sodium. Et la même chose, on ne peut pas avoir... C'est moi ? Et on ne peut pas avoir le transport de sodium sans le sucre. Je vais revenir sur ce point, c'est très intéressant. Ces transporteurs de sodium-sucre, il y en a quelque chose comme que 8 à 9 sérotypes, on les trouve un peu partout dans tout l'organisme, mais par exemple, regardez le SGTN2, on le retrouve essentiellement, au niveau du rein. Alors que le SGTN1, on le trouve au niveau du rein, mais essentiellement au niveau de la villosité intestinale. Pourquoi je vous montre cette photo? Rappelez-vous les sels de réhydratation par voie orale, OMS, machin, qu'on a utilisé. Madame Ennemi, je me rappelle, lorsque nous faisions le cours de la diarrhée, nous disait, si vous voulez que l'enfant réabsorbe du sel, rajoutez du sucre avec le sel. Et parce qu'il y a un co-transport sodium-sucre au niveau de l'intestinal, et donc c'est pour ça que c'est pas un hasard que l'OMS avait rajouté des sucres, et donc vous voyez un peu le lien qu'on a plusieurs décades après ça a été découvert. Donc si on voit le SGTN1, il est essentiellement intestinal, il y a un peu de rein, on a vu la position, il a une très forte affinité, mais sa capacité de transport elle est faible, et c'est pour ça qu'il n'autorise que 90%. Le SGTN2, il est essentiellement rénal, il y a une faible affinité, mais il a une capacité importante, il est responsable de 90%. Globalement, si on veut résumer toutes les données, le rein produit quelque chose comme 70 g de sucre via la néoglycogénèse. Il va utiliser pour son propre métabolisme et tous les transferts qu'on fait, quelque chose comme 30 grammes, et il doit réabsorber 180 grammes de sucre par jour, sinon on va les perdre, on aura des hypoglycémies, etc. D'accord? Donc c'est ça le rôle du rein. Vous voyez, le rein, il est vraiment, il est dedans, il est dans l'équilibre glycémique, etc. Maintenant, voyons son rôle au niveau du diabète. Et je prends cette diapo, bien sûr, qui n'est pas la mienne, sur l'hyperglycémie chronique. Quelles sont les différentes causes? Alors, on parle de l'octet, omnious octet en anglais, ou le sinistre octet, c'est-à-dire les 8 grands mécanismes qui permettent d'expliquer l'hyperglycémie chronique. Bien sûr, vous avez la baisse
de la sécrétion d'insuline, vous avez l'augmentation de la sécrétion de glucagon, vous avez l'augmentation de la production de sucre, vous avez la faible utilisation, j'allais dire, du sucre par le muscle, etc. Et vous avez ici, ce qui nous intéresse, l'augmentation de la réabsorption rénale du sucre, qui serait un mécanisme qui permet, enfin qui entraîne l'hyperglycémie, qui participe à l'hyperglycémie chronique, comme si le rein par lui-même participe au diabète. D'accord ? Alors comment ça se fait ça ? Si on prend et on compare des sujets normaux à des sujets diabétiques, on trouve que les sujets diabétiques ont 4 fois plus de transporteurs SGLT2 qu'un sujet normal. Et donc, plus qu'ils ont 4 fois plus de transporteurs, plus de aussi de canaux glucidiques, ben, ils vont transporter pratiquement 4 fois plus de sucre qu'un sujet normal. La capacité de transport d'un rein diabétique, elle est plus importante qu'un sujet normal, 4 fois plus. Et donc, il va réabsorber plus de sucre, il va participer à l'hyperglycémie. Et ça, cette capacité, comment on la mesure ? On la mesure par le Tmax. Ça, on l'a vu en physiologie. Donc, on fait passer un Tmax de 320 à quelque chose comme 420. Donc, on augmente le Tmax. Et si j'ai ma capacité de transport, de réabsorption qui est augmentée, ben, je vais éliminer, moi, en tout cas, le seuil à partir duquel le sucre va apparaître dans les urines va se déplacer vers la droite. D'accord ? Et donc, on va passer de quelque chose comme 1,80 g, quelque chose comme 2,20 g, 2,40 g. Cela veut dire, quand le diabétique, chez le diabétique, apparaît le sucre dans les urines, il n'est pas 1,8 g. Vous comprenez ? Alors que moi, jusqu'à hier, jusqu'à ce que vous faites hier à ma peine, j'avais toujours en tête le 1,8 g glycosurie. En fait, chez le diabétique, non. C'est 2,20 g, 2,40 g, ça veut dire vraiment que c'est le déséquilibre. Donc, avant, on va aller faire, si on voit le sucre, 1,8 g, non. C'est beaucoup plus important parce qu'il a plus de transporteurs, il réabsorbe plus, il participe plus à l'hyperglycémie chronique. Et donc, on a une courbe de réabsorption de glucosurine qui se déplace à la droite. Donc, on a un seuil d'excrétion qui augmente, qui passe de 1,80 g à 2,20 g, 2,40 g. Et on a la courbe de réabsorption qui monte vers le haut, et donc le Tmax qui passe de 320 à 420. 420, vous savez combien ça correspond ? À 600 g de sucre par jour. C'est-à-dire la capacité de réabsorption du rein de 600 g par jour, donc ce qui est extraordinaire. Donc, c'est 600 g au lieu de 180 g qu'on fait tous les quotidiens. Ce qui est intéressant, c'est que si on donne de l'insuline et qu'on baisse la glycémie, d'accord, ben on va baisser le nombre des transporteurs. Donc c'est une pure adaptation rénale à la situation d'hyperglycémie. Donc c'est une sorte d'aggravation. Donc il y aura l'hyperglycémie, il y aura l'augmentation du nombre des transporteurs qui, eux, vont participer à l'aggravation de l'hyperglycémie et on rentre dans un cercle vicieux. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est réversible sous insuline, c'est important. Ça, donc chez le diabétique, on sait qu'on réabsorbe plus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aux 10 dernières années, donc c'est pas très loin, 5-10 dernières années, c'est qu'on a découvert plusieurs mutations du gène qui code pour la protéine transportrice, le SGLT2. Donc vous voyez ici ce qui est en jaune, en rouge, etc. Et on a décrit les différentes pathologies qu'on appelle les glucosuries. C'est quoi les glucosuries ? C'est j'ai une glucosurie, mais je n'ai pas de diabète. Soit mon tubule est malade par une autre maladie rénale, et ça on le sait dans les pathologies tubulaires, soit j'ai simplement le transporteur qui est mauvais, qui est absent, qui est mal formé, qui n'arrive pas à réabsorber. Et je vais avoir une glucosurie. Alors vous allez avoir des gens qui ne vont pas pouvoir réabsorber totalement, et d'autres partiellement. Donc vous avez le type O, le type A, le type B, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a des familles qui ont des glucosuries rénales familiales, qui ont des maladies héréditaires, qui vont avoir une glycémie normale et une glucosurie explosive. Il y en a qui arrivent à uriner jusqu'à 130 g de sucre par jour. Ce qui est étonnant, normalement lorsqu'on dit sucre, on dit pouvoir osmotique, on dit durée osmotique, on dit risque de déshydratation. Ce qui est étonnant, c'est que l'hypoglycémie, malgré la perte de 130 g, et l'hypovolémie sont rares. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on dit une glycosurie aussi intense, aussi importante, aussi chronique, devrait avoir des conséquences sur le rein. Eh bien, on ne voit pas des lésions histologiques véritables, elles sont insignifiantes. La fonction rénale reste normale au long cours.
Il n'y a pas d'augmentation de l'incidence de l'insuffisance rénale chronique, il n'y a pas d'infection urinaire ni de diabète. Tiens, tiens, c'est intéressant. Si nous avons par la nature des anomalies de gènes qui entraînent un dysfonctionnement transporteur responsable d'une glucosurie et que ces personnes-là arrivent à éliminer beaucoup de sucre, mais sans détruire leur rein, et si on venait nous manipuler ces transporteurs et utiliser ce mécanisme-là pour contrôler la glycémie. Alors ça nous fait remonter un peu au 19e siècle, cette floridzine, cette substance qui a été isolée par un chimiste en 1837, de l'écorce de pommier ou de l'écorce de poirier, etc. Et qu'un Français qui s'appelle Joseph Bombiernik de la région de Strasbourg avait décrit en 1887 l'effet glucosurique. Mais à l'époque, on ne savait pas pourquoi. Ce n'est qu'il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, qu'on a décrit qu'au fait, il était un inhibiteur non sélectif des transporteurs sodium, glucose, EGTL2 et EGTL1. Le problème, c'est qu'il est inhibiteur du SGTL1. Pourquoi? Parce que si vous le donnez à des humains et que vous bloquez la réabsorption de sucre au niveau de l'intestin, ben les personnes vont mourir. Tout simplement. Donc on n'a pas pu l'utiliser chez l'homme. D'abord, il y a une très faible biodisponibilité, et surtout parce qu'il inhibe le SGTL1. Et si vous inhibez la réabsorption de sucre au niveau intestinal, la personne ne va pas survivre. Donc, on avait ça, c'était très intéressant, et l'industrie pharmaceutique a dit, tiens, on va utiliser ça, et ils ont fait des on a copié la structure chimique, et on a produit, j'allais dire, des substances chimiques, et après, on fait toutes les études, phase 1, phase 2, phase 3, etc., expérimentales, pour décrire, et on a décrit les premiers inhibiteurs de SGTL2, d'accord, qui ne vont pas inhiber SGTL1 puisqu'on ne peut pas l'utiliser chez l'homme et on va essayer seulement d'inhiber SGTL2 et ça tombe bien puisqu'il est responsable de 90% de la réabsorption du sucre. Alors qu'est-ce que ça va faire? Bien sûr, ça va bloquer la réabsorption du sucre au niveau SGTL2, d'accord, et on va augmenter l'élimination du sucre par les urines, la glycosurie. C'est un objectif thérapeutique recherché, d'accord. Et donc qu'est-ce qu'on va faire en pratique? Au fait, on va réduire, on n'a pas besoin d'un taux élevé de sucre pour éliminer, puisqu'on va inhiber. Donc on va baisser le Tmax, et on va réduire le seuil de crétion, on va ramener comme chez le sujet normal, et on va éliminer assez de sucre. Donc baisse du Tmax, et réduction du seuil d'excrétion, et donc, pour promouvoir l'augmentation de l'excrétion rénale du glucose. Cette réponse glucosurique par l'inhibiteur, elle est dose dépendante. Plus vous augmentez la dose, plus la glucosurie est importante. Ça c'est la floridzine, ça c'est l'inhibiteur, la DAPA glyphlosine, si je me rappelle bien. Donc c'est dose dépendante, plus on augmente la dose de cet inhibiteur, la DAPA glyphosine, et il y en a d'autres bien sûr, plus la réponse, l'élimination du sucre, elle est importante. Mais ça va rester dépendant du débit de filtration glomérulaire. La quantité de sucre disponible au niveau du tubule, elle va être dépendante de la quantité de sucre filtré par le glomérule. Si vous avez un débit de filtration glomérulaire qui baisse, et donc la glucosurie, enfin le sucre dans le tubule va baisser, et donc l'action thérapeutique de l'inhibiteur va baisser forcément. Donc ce n'est pas très intéressant chez l'insuffisant rénal, donc ça va baisser. Et là, je vous donne un exemple. Pour chaque baisse de 20 ml de débit de filtration glomérulaire, vous avez une baisse de 15 g de glucosurie. Vous perdez 15 g en termes d'efficacité thérapeutique. Il y a une vraie relation linéaire. Et moi je vais passer rapidement pour la séance parce qu'on n'a pas assez de temps. Et donc, il y a le cut-off ici à 60. On ne prescrit pas d'inhibiteur du SGTL2 chez l'insuffisant rénal. D'accord? En tout cas, pas pour la DAPA glyphlosine. Pour les autres, on ne commence pas un traitement chez quelqu'un à moins 60. Par contre, s'il a commencé à quelqu'un de plus de 60 et puis il passe à entre 45 et 60, on peut réduire la dose. On peut encore l'utiliser, mais jusqu'à la limite de 45. Tout simplement, ce n'est pas une question de toxicité, c'est une question d'inefficacité. Plus la fonction rénale va s'abaisser, moins on sera efficace. Dernier point que je veux aborder avec vous, c'est lorsque vous donnez un inhibiteur du SGTL2, vous allez avoir une baisse du débit de filtration glomérulaire. Ici, vous avez le placebo. Ici, vous avez un inhibiteur à la dose de 100. Ici, un inhibiteur à la dose de 300. Donc, vous voyez, on démarre à zéro et on baisse le débit de filtration glomérulaire avec l'inhibiteur. Alors, pourquoi ?
Ça nous fait revenir un peu à la physiologie. C'est lorsque j'ai ici l'absorption de sodium et de sucre grâce au SGT1 et surtout grâce au SGT2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la quantité de sodium qui va rester dans le tubule. Et donc, quand il va arriver au maquillon dans le sang, vous vous rappelez l'appareil juxtaglomérulaire, il y aura peu de sodium. D'accord? Il va avoir ce qu'on appelle le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. La macula densa ici, le tube distal, va dire au glomérule, écoute, il y a peu de sodium, augmente la filtration. Et donc on aura une augmentation du débit de filtration glomérulaire. Maintenant, imaginons qu'on va bloquer le SGTL2. D'accord? On va le bloquer. Donc on va réduire l'absorption du sodium et du sucre. Donc forcément, on aura plus de sodium ici. Et donc, au niveau de la macula densa, ben, qu'est-ce qu'il va dire, lui, au glomérule? Écoute, il y a trop de sodium, nous sommes en train de perdre du sel, s'il te plaît, tu ralentis. Donc, il va ralentir le débit de filtration glomérulaire. Donc, c'est une action tout à fait physiologique, ça nous protège contre la déshydratation. Quand il y a beaucoup de sel au niveau du tube distal, c'est là où il y a une régulation hormonale, il dit attention au glomérule. Tu réduis un peu la filtration. Donc, c'est pour nous protéger, hein? C'est purement physiologique. Donc, ce n'est pas une surprise de voir cette baisse du débit de filtration glomérulaire parce qu'on fait agir ce qu'on appelle le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire qui est de la pure physiologie. Donc ça, il faut le savoir et donc ne pas s'inquiéter jusqu'à une baisse de 20%. Ce qui est enfin intéressant mais qui mérite d'être confirmé à long terme parce que sur un seul papier, on ne peut pas juger. Sur ce travail-là, on a pris des diabétiques, on a donné des inhibiteurs SGTL2, on a vu l'évolution de leur albuminurie. On a vu combien de personnes vont aggraver. Ben, sous placebo, 11%, sous la cana à 100 mg, 9%, sous la cana à 300 mg, 6,8%. Comme si inhiber le SGTL2 et réduire le débit de filtration glomérulaire. Donc là, on a pour l'IEC, on réduit le DFG, c'est ce que fait l'IEC aussi, ou la RA2. Il réduit le DFG, en réduisant le DFG, ça c'est une hypothèse, on participerait à la néphroprotection et peut-être que les inhibiteurs SGTL2 auraient une action néphroprotectrice, mais tout ça, bien sûr, tout ça reste à confirmer. Avant la prescription, d'un point de vue néphrologique, quelques questions s'imposent. Alors la première, quel est le niveau de filtration glomérulaire? Ça c'est clair, moins de 60, on ne prescrit pas. D'accord? Initialement. Lorsqu'on avait les deux premières molécules, si on avait prescrit alors que le malade avait plus de 60, après qu'il baisse, on peut le garder jusqu'à 45. Deuxièmement, on ne va pas le prescrire chez un patient qui est hypovolémique déshydraté parce qu'on a la glucosurie, on a la polyurie osmotique, on va l'aggraver la déshydratation. Il faut que le malade soit bien hydraté. Il faut voir combien il prend d'antihypertenseur. D'accord? Si votre malade il est à... je ne sais pas moi, à 120 mg, et que peut-être que la glucosurie qu'on va provoquer va encore baisser. Donc il faut voir que c'est un malade cardiovasculaire, il ne faut pas retirer peut-être 5 mg d'amlodipine ou quelque chose comme ça. Il faut faire attention lorsqu'il y a des diurétiques, parce que là, on va augmenter la diurèse en plus de la polyurie osmotique. Et il faut toujours se poser la question, est-ce que ce malade-là pourrait tolérer une baisse supplémentaire de la pression artérielle? Bien sûr, la question va se poser, c'est d'un... chez un insuffisant coronaire, âgé, etc. Ça, bien sûr, vous allez falloir attention. Je pense que c'est tout. Et je passerai la parole pour terminer.